Alain, cette troisième journée se solde par une petite défaite de 1 chez notre voisin lyonnais. Ouais, c'est vrai qu'on espérait mieux faire, c'est sûr. Après, il y a eu des faits de jeu qui ont été contraires. Je pense qu'on n'est pas verni en ce moment, notamment sur les moments clés du match, avec un carton rouge qui fait un peu basculer la rencontre, face à un adversaire déjà qui est très très performant. Jouer à 10 face à un adversaire comme celui-là, c'est déjà pas simple. En plus, on prend un but un peu gag. J'aurais préféré prendre un but venu d'une action vraiment construite, comme ils en ont eu pas mal d'ailleurs, qui aurait pu peut-être mieux se terminer pour eux. Mais prendre un but comme ça sur un coup de pied arrêté, un coup de billard, ça fait encore plus rager. Et au final, les garçons ont quand même réussi à 10 à poser des soucis et à obtenir un pénalty pour revenir à un partout. Alors après, est-ce qu'on a été un peu trop joueurs sur la fin pour garder ce résultat à 10 contre 11? Maintenant, je sais que face à un adversaire comme ça, de se recroqueviller aussi, c'est pas toujours évident parce qu'ils ont quand même une puissance de feu offensive. Et puis nous, on a quand même beaucoup de garçons inexpérimentés là. Moi, j'étais à mon quatrième latéral droit là, ce soir, avec Fefe qui expérimentait ce poste pour combler les manques. Donc, puisqu'il y a Hertel, à Benzoar, là, à Bugné, qu'on a été recherché à la réserve. Donc voilà, en ce moment, c'est vrai que les garçons ne sont pas vernis. Après, j'ai rien à leur reprocher dans l'investissement, dans les consignes de ce qu'on voulait mettre en place. Je pense qu'en première mi-temps, il n'y a pas énormément d'occasions de la part de Lyon. Nous, on a 2-3 situations qu'on aurait pu mieux gérer sur des centres, sur des choses comme ça. Voilà, puis après, le deuxième but, c'est vrai que c'est rageant parce que c'est, je pense, un peu d'un manque d'expérience justement d'un jeune joueur qui découvre le poste et qui oublie un peu dans son dos et qui fait que un garçon comme Grenier, il la met au fond, quoi. La semaine prochaine à domicile avec le FC Monceau. Ouais, on se doit de vaincre à domicile. Après, je ne connais pas tous les résultats, mais c'est vrai qu'on se doit de renverser la tendance pour repartir du bon pied et montrer que ce qu'on a pu montrer ce soir, on est capable de faire de bonnes choses encore samedi prochain.